moi-même. C'est la première ligue anglaise qui reprend ses droits aujourd'hui avec donc cette affiche intéressante. Tottenham face à Manchester United. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. Number 25, Pierre-Emile Højbjerg. Number 27, Lucas. Le club de Tottenham qui prend beaucoup de plaisir à entretenir son énorme rivalité avec Arsenal. Ouais, même si tu ne t'intéresses pas au foot, tu ne peux pas ignorer quand ces deux clubs s'affrontent. Hein. Ah, c'est vrai que tout le monde ou presque enfile le maillot de son équipe préférée dans les différents quartiers. Et en plus, ce sont deux quartiers extrêmement proches. Hein. Un kilomètre et demi à vol d'oiseau. Ils cohabitent dans le métro. Voici le 11 de départ de cette équipe de Tottenham. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. La composition de Manchester United qui s'affiche. Bruno Fernandes. Paul Pogba. Danny Van de Beek. Pogba. Pogba qui fait partie des Français qui ont marqué des buts en finale de Coupe du Monde. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis son but était spectaculaire en plus. Alors, il y a qui a marqué en finale de Coupe du Monde? Il y a Zidane. Petit. Griezmann, Mbappé et Pogba. Et Mandzukic contre son camp. Ouais. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Et la voilà la frappe. Oh, Loris, il a fait le bon choix. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Attention au poteau, c'est pas fini. Manu qui va bénéficier de cette touche. Luke Shaw. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Un corner adressé au niveau du point de pénalité. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. Il a l'air d'avoir apprécié cette reprise de volée, le réalisateur, car il nous l'envoie à nouveau. C'est vrai que c'est parfaitement exécuté. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Les Mancuniens qui ont pris les devants. Goal for Manchester United. Number 6, Paul Pogba. Steven Bergwijn. Deverly. Paul Pogba. Bruno Fernandes. On s'approche du but. Anthony Martial. Et dans le tir qui est contré. Pierre-Emile Højbjerg, il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Il alerte Lucas avec cette passe par-dessus. Hors-jeu, dommage, la voie était libre, mais il y avait hors-jeu. Paul Pogba. Luke Shaw. Pogba. Il faut trouver une option disponible. Pogba. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et corner, hein, ça devient un petit peu chaud. Un corner bien tiré. Et ça fait but. Oh, elle est au fond. Manchester United qui s'échappe dans cette rencontre. Ça fait 2 buts d'avance. On voit l'action qui amène ce but. Il est nettement au-dessus de tout le monde et vient placer cette tête puissante qui trompe le gardien. Plus le corner a été très bien tiré au passage. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance.
C'est dans l'espace, c'est cadeau. Il gagne du terrain. Il protège bien son ballon là. Ah, impeccable ce tacle. Le ballon qui file en touche. Davinson Sanchez. Sanchez. Ouais, allez, les joueurs de Manchester qui doivent s'appliquer. C'est une touche pas mal placée. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Rashford. Paul Pogba. Ah, c'est sifflé cette faute. Coup franc pour Manchester United. Paul Pogba. Avec un tir. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. On peut pas changer. Encore un corner. Paul Pogba. Le gardien qui n'a pas trop à s'employer sur cette action. Ah, il tape facilement cette tête. Pierre-Emile Højbjerg. Dele Alli. Ah, dommage, hein, cette passe qui file en touche. Donny van de Beek. Luke Shaw. Paul Pogba. On va jouer 3 minutes de plus. Et finalement, ils perdent ce ballon. Steven Bergwijn. Ce sera un corner pour Tottenham. Les statistiques confirment ce qu'on ressentait. Pierre Harry Kane est en train de passer à côté de son match. Je le trouve vraiment peu inspiré dans ses appels et dans ses passes. Soit le ballon n'arrive pas à ses partenaires, soit ses partenaires ne le trouvent pas. Ça manque de cohésion, hein, et les stats reflètent toutes ces lacunes. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? C'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps. Il a inscrit un but, son équipe mène, donc bonne première période de sa part. C'est reparti pour la seconde période avec Manchester United qui donne le coup d'envoi. Donne en retrait. Ah, c'est contré. Pierre-Emile Højbjerg. Est complètement à côté de ses pompes cette équipe. Donc normal que le public s'impatiente. Si elle ne presse pas davantage, elle n'est pas prête de revoir le ballon. Harry Kane. Ah, il s'est construit devant le but sans se précipiter. Dele Alli. Il essaye de trouver la faille. Attention, l'occasion porte. Un très bon geste défensif. Le joueur de Manchester United qui est blessé, qui doit donc laisser sa place. Paul Pogba. Paul Pogba. On a vu à son meilleur niveau lors de la Coupe du Monde 2018. Oui, on a vu un Paul Pogba très bon sur le terrain, mais on a vu un Paul Pogba fédérateur et leader de cette équipe. Je ne suis pas convaincu qu'il ait un rôle de même densité avec son club. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Harry Maguire. Victor Nelson, Lindelof. Cunha qui perd le ballon. Bien donné encore une fois. Paul Pogba. Les Red Devils à l'attaque. Ah, la passe n'arrivera pas à destination.
Steven Bergwijn. Il avance balle au pied. Le Celso. Bonne protection du ballon là. Bien. Et ah, oh, qui claque ce ballon. Très belle intervention. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Lucas. Centre peut-être, aller. Harry Kane. Le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Il faudrait un peu de la passe à 10 là. Ce serait bien qu'il passe à autre chose maintenant. Ouais, le ballon qui est donné en profondeur. Il faut trouver une option disponible. Allez, le ballon qui est dégagé. Oh, la belle passe du talon. Anthony Martial. Ah oui, le bon tacle. Oh là là, il a frôlé le pénalty là, ce tacle était dangereux dans la surface. L'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Harry Kane. Encore un bon ballon. Il éloigne le danger. Et l'entraîneur qui va jouer son va-tout, Pierre. Un attaquant supplémentaire pour essayer de revenir. On va voir si c'est payant. Les cinq dernières minutes du temps réglementaire. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Ryan Sessegnon. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Rashford. Williams. Attention, ça peut devenir intéressant. Attention, peut-être le centre. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Allez, re-corner. C'est un joueur de Tottenham qui va faire son entrée. Giovanni Lo Celso qui cède sa place à Tanguy Ndombele. On se souvient de son tout premier match en Ligue 1 avec l'OL. Il avait. Finalement, le gardien qui repousse. Et c'est donc la fin de ce match sifflé à l'instant par l'arbitre. On a vu une attaque complètement débridée dans cette partie. Et on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui, hein, Pierre. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance.